Bonjour, dans ce format court, on parle de repères et de coordonnées dans l'espace. Et donc, on va commencer par définir ce que c'est qu'un repère de l'espace. On a besoin pour ça de trois vecteurs, U, V et W. Mais attention, des vecteurs non coplanaires. Et un point O de l'espace donc. Eh bien, la donnée de ces trois vecteurs, U, V et W, constitue ce qu'on appelle une base de vecteurs de l'espace. Il est important que ces vecteurs soient non coplanaire. Sinon, tout l'espace ne peut pas être décrit, seulement un plan. Et donc, si vous rajoutez le point O, la donnée de ce point O et de la base constitue ce qu'on appelle un repère de l'espace. Je ferai tout de suite l'analogie avec le plan. Définir une base du plan, c'est se donner deux vecteurs non collinéaires. Ici, définir une base de l'espace, c'est se donner trois vecteurs non coplanaires. Maintenant qu'on a la notion de repère, on va pouvoir parler de coordonnées. Si on considère un repère OUVW de l'espace, pour tout point M de l'espace, il existe un triplet X, Y, Z, un triplet unique, tel que OM égale XU plus YV plus ZW. Donc combinaison linéaire de U, V et W. Et justement, ce triplet X, Y, Z, c'est ce qu'on appelle les coordonnées du point M dans le repère OUVW ou alors les coordonnées du vecteur OM dans la base UVW. X, c'est ce qu'on appelle l'abscisse, Y, c'est l'ordonnée et Z, c'est la cote. Dans un repère OUVW, on dira que T, vecteur quelconque, a pour coordonnées x, y, z dans la base uvw, si le point M défini par om égale vecteur t a pour coordonnées x, y, z dans le repère ouvw. Partant de là, on va pouvoir redéfinir toutes les propriétés que vous connaissez déjà dans le plan, c'est-à-dire que si vous avez un vecteur u de coordonnées abc, le vecteur k fois u, k étant réel, a pour coordonnées ka, kb, kc. Si vous introduisez un deuxième vecteur u' de coordonnées a', b', c', le vecteur somme u plus u' aura pour coordonnées a plus a', b plus b', c plus c'. Donc même propriété, mais on rajoute une coordonnée, la cote. Deux vecteurs u et u' seront égaux si et seulement s'ils ont mêmes abscisses, mêmes ordonnées et mêmes cotes. Le vecteur AB a pour coordonnées XB-XA, YB-YA et ZB-ZA. Et pour finir, si on part sur un point I milieu d'un segment AB, le point I aura pour coordonnées XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2 et bien sûr ZA plus ZB sur 2.